Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le second tour de l'élection présidentielle 2022, donc entre Macron et Le Pen. Donc on va essayer de départager, de savoir qui est-ce qui sera le vainqueur. Alors tout autant que voilà, il y a possibilité de marge d'erreur, vu que c'est pas forcément évident hein, de voir dans l'absolu, fait jamais du 100% en astrologie, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, j'ai mis le thème de la 5e République française. Alors, on va mettre les transits au donc 24 avril à 20h. Voici les transits sur la carte de la 5e République française. Alors, déjà, je voulais vous mettre plutôt les transits en pleine page, voilà. Alors ce jour-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le Soleil en Taureau, forcément. L'amas Mercure de Nord Uranus. Il y aura un carré Lune Saturne. Donc là, ça peut donner de l'ambivalence par rapport au vote. Il y en a qui, je pense que certains voudront faire un vote de contestation. Uranus, c'est pas loin. Donc il y a le carré à la Lune encore, ouais, qui le met encore actif, même s'il est un peu loin, un peu large, mais bon. On aura Mars en Poisson bien inspecté, Vénus, Neptune, Jupiter plutôt bien inspecté, hormis la Lune noire moyenne, mais bon, on va pas trop en tenir compte. Donc les Saturnes, par contre, beaucoup de frustration hein, quand même. Carré Mercure là, Lune Saturne, hein, ça fait la frustration. Carré Mercure par rapport au vote. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Déjà ce qu'on peut voir. Beaucoup d'espérance avec Vénus, Jupiter, Neptune en Poisson. Donc ça peut quand même créer des tensions, des révoltes, parce que on a Lune Saturne, car Uranus qui maîtrise justement Lune Saturne, donc c'est assez puissant quand même. Et Pluton plutôt bien inspecté. Alors il y a un carré au Soleil mais un peu large. Voilà. Donc là pour le moment je peux pas trop en dire. Peut y avoir des votes de contestation. Aussi de l'abstention malheureusement. Mais je pense qu'il y aura quand même de la frustration avec Saturne, là, Lune Saturne, carré, là, Mercure en Nord, voire Uranus. Donc il faudra s'attendre à. Voilà. Pas de l'enthousiasme, ça c'est sûr. Enfin, pas de grand enthousiasme, même si un sextile Jupiter, Vénus, Neptune à Mercure. Enfin, de la discussion en tout cas. Donc on va commencer, donc bah, je vais prendre le thème. Alors voici son thème. Alors si je mets les transits donc du 20 avril sur deux niveaux. Voilà. Alors qu'avons-nous? Donc il y a toujours ce Pluton opposé Mars hein, qui peut créer de la violence. La Lune était en Lion sur sa maison 10, là elle est en 4. Conjoint Saturne, comme on a vu. Malheureusement, on voit déjà dans le ciel, donc il y a ce carré Mercure que tout le monde a, mais elle a le carré Neptune. Donc déjà, ça peut faire de la déception. Hein, avec Lune Saturne, frustration, déception avec Neptune. Donc déjà, ça s'est un peu mal engagé. Et on a une opposition à Vénus, qui est maître d'ascendant. De plus, la Lune est maître de sa 10, donc déception pour pas accéder à la présidence, hein, à la haute fonction. Ouais, donc déjà ça c'est pas terrible. Le Mars, il est en 5, en Poisson, à 7 degrés. Il oppose son Jupiter natal en 11, par le politique aussi. Donc là il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de tension aussi un peu. Par rapport à son rival, hein, maître de 7. Donc on pourrait peut-être voir comme indication que
Elle est martienne opposée au jupitérien qui est Macron par exemple, mais bon c'est pas voilà, c'est pas forcément le cas. La triple conjonction donc en poisson en revanche est bien inspectée dans sa maison 6 5 6 mais c'est pas avec des planètes très importantes, sextile Pluton. Bon, le trigone Neptune y est depuis un moment. Et un sextile Mercure. Mais bon, c'est faible. Elle a toujours le carré d'Uranus au Soleil. Ça, c'est pas terrible. Ça donne de l'imprévu. Rupture, donc possibilité de coup de théâtre. Mais plutôt dans le mauvais sens du terme. Donc plutôt voilà, une rupture de ce qu'elle pouvait espérer. Donc voilà. Alors si elle a le trigone donc de la lune natale à au soleil transit. Donc c'est les maîtres de sa 10, hein, lune-soleil. Donc c'est peut-être la seule chose qui soutient, on va dire. Par rapport à l'élévation professionnelle, donc pour peut-être accéder à la présidence, mais sinon dans la maison 7 et 3, donc plus pour les votes. Donc ça, par contre, ça peut peut-être ouais, un peu aider, hein, comme sa triple conjonction Jupiter-Neptune-Vénus, par exemple. Donc c'est vrai que là, par rapport au transit, c'est pas génial. C'est pas génial. Alors l'amas en poisson, j'ai oublié de dire, il fait une opposition à son Uranus-Pluton. Et voilà, ça c'est beaucoup de tension aussi. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas des transits faciles, hein, au-dessus de son Neptune. Elle a pas. Elle aurait des planètes qui transiteraient la 10, ça serait peut-être mieux, mais là ça transite trop le son secteur occidental, même au sud là. Donc plutôt des planètes plutôt qui opposent un peu son amas, on va dire, en manière générale. Et c'est plutôt intérieur, donc là c'est plutôt c'est pas très favorable, je dirais, pour l'élévation là. J'ai pas regardé les révolutions solaires parce que je l'ai déjà fait, les directions non plus, ça n'a pas changé grand chose. Je peux juste regarder si donc on va regarder la pleine lune, car la pleine lune elle a lieu le 16 avril donc. Si je prends la pleine lune donc du 16 avril à 18h55, on va voir un peu les effets que ça a fait, un peu comme pour le premier tour avec la nouvelle lune. Alors cette pleine lune elle tombe bah, sur son Saturne, opposé à la Lune là, donc forcément Lune opposée Saturne, donc ça confirme un peu la frustration. Frustration émotionnelle hein, par rapport à le fait d'accéder au second tour, enfin d'accéder à la présidence, hein, la haute fonction, au milieu du ciel. Donc là, il y a la frustration, hein, opposée Saturne. Donc là, malheureusement, non, je pense pas que, malgré un sextile Vénus qui mette d'ascendant, ça, il y a quand même des soutiens, mais en 11 politique, mais il y a la frustration qui est là, donc pour moi, non, passera pas. Hein. Alors j'ai quand même regardé le thème de Emmanuel Macron. Alors. Tout autant que voilà, on part du principe que c'est pas truqué, mais bon, j'ai du mal à y croire. Donc voici le thème de Macron. Donc on va regarder ses transits pour le 24 avril 2022 à 20h heure de Paris. Donc voici les transits. Donc on a vu un hein, Pluton proche de l'ascendant, toujours sextile au milieu du ciel. Il y a la conjonction Lune-Saturne. Bah, qui est mal inspecté aussi, hein, on voit le jour de de l'élection, hein, ça reforme donc le T-carré avec la Uranus Lune et Uranus. Donc il était sur Mars au premier tour, là il se retrouve en face. Donc il reforme le T-carré avec la Lune. Donc là je pense qu'il va y avoir. Alors ça peut faire surprise aussi en même temps, c'est assez intéressant, parce que ça peut faire une surprise, Lune-Uranus. Mais ça c'est assez particulier. Alors la Lune est maître de 5, 6, ce travail le Saturne, maître de 11, apolytique 12, ascendant. Ça peut lui quand même lui
Et plus loin, c'est vrai, Saturne, la frustration, il le sent plus. Hein. Mais la Lune, ouais, il y a une dichotomie émotionnelle. Là, à mon avis, ça c'est annonciateur du peuple qui va pas adhérer, quoi. Ensuite, le Mars en poisson, lui, il est bien inspecté. Donc, il a 7 degrés. Ouais, il fait un trigone large à Jupiter, il est un peu large quand même. Ouais, sextile Chiron, c'est pas important. Donc le Mars, là, il est pas important. Bah, on a toujours le carré, donc Vénus, Neptune, Jupiter à son amas en Sagittaire. Donc là, ça peut être. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça peut être dans son thème de la déception aussi. Alors peut-être qu'il veut un score peut-être meilleur, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas non plus hyper bien là comme aspect qu'il a. Il a pas des super aspects, hein, comme j'ai dit. Le soleil, lui, tombe dans sa 2. Sextile large à Jupiter. Ça donne un peu d'épanouissement, mais un carré à la maison 7. Voilà. Donc forcément la Uranus sur sa lune, hein, aspect exact au moment du choix du vote. Donc là cet aspect-là il est vraiment très important. Hein. Uranus-Lune, carré Lune et opposé Uranus, natal. Donc ça à voir suite aux élections, ouais, je serais pas étonné qu'il y aurait des échauffourées, des révoltes suite à son élection. Ça va pas passer. Donc on va voir. Gilets jaunes bis quoi. En tout cas, beaucoup dans les échanges, dans le dialogue, hein, c'est en 3. Axe 3-9, les déplacements, dans tout ce qui est les idées, les communications. Mercure, conjoint d'honneur, lui. Ouais, bah, il y a un carré à Saturne forcément dans le ciel. Un trigone large à l'ascendant. Voilà. Donc c'est tout, sinon j'ai pas d'aspect, y a vraiment pas d'aspect mirobolant. C'est même étonnant qu'il puisse être élu s'il voulait avec des aspects aussi négatifs, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, il a aucun aspect positif. Hein. L'amas, bon, faut pas regarder parce que là ils les prennent trop large. Ils prennent les nœuds lunaires, bon, on s'en fout, mais si on prend son amas en poisson, ça fait un carré à son amas en Sagittaire. Lune-Saturne, on voit bien le T carré avec la Uranus-Lune. Le Mars, il fait rien. Le Soleil, bon, il fait pas grand-chose. Uranus, on l'a vu. Le Mercure, pareil, pas terrible. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, en fait. Il a rien de bien, quoi, ce que je disais. Donc c'est vraiment étonnant, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une élection truquée de A à Z, quoi. Ça peut pas gagner avec des transits aussi négatifs. Hein. Ça me paraît quand même. Enfin, ça, c'est incroyable, je trouve. En tout cas, c'est une première. Ouais. Possible, peut-être. Hein, mais. Et la Lune noire moyenne sur Jupiter natal. À 1 degré, en plus, qui oppose son Mercure. Donc, ouais, une zone d'ombre aussi par rapport à son sacre. Je vois pas d'aspect mirobolant. Hein. Donc on va regarder la pleine lune. Donc la pleine lune du 16, hein, qui est valable jusqu'à pendant l'élection du second tour. Donc lui, le soleil tombe donc dans sa maison 2, opposé dans son axe 2-8, hein, les finances. Et il a un carré à la maison 7. Donc, carré à la maison 7, hein, rapport aux autres. En plus, c'est le maître de 7, hein, la Lune. Donc, beaucoup de fluctuations par rapport aux relations, là. Ça risque d'être très ambivalent, puisque carré à Pluton dans le ciel. Bon, ça c'est dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a comme aspect positif? Juste un trigone à sa Lune noire moyenne, natale. Donc, c'est pas terrible. Donc. Lui comme Le Pen, je veux dire, ils n'ont pas vraiment des choses. Alors à choisir, j'irais plus lui par rapport à cette pleine lune, parce que Marine Le Pen, on voit qu'elle est frustrée avec Saturne, que lui, il n'a pas la frustration.
de Saturne, mais bon, c'est pas non plus une pleine lune qui l'aide beaucoup, hein, qui l'aide vraiment même. Donc c'est vraiment une élection à défaut, on va dire. Je dirais que c'est voulu par l'oligarchie, que le pape a pas son pot à dire. J'ai du mal à le croire, bon, même s'il y a des trucages, peut-être c'est un peu gonflé, mais de là à tout truquer complètement les votes, ça me paraît quand même fou. Après, c'est pas impossible. Qui sait? Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je vais pas trop m'éterniser. Alors, j'avais fait aussi un tirage de cartomancie pour voir si ça confirme. Donc voilà, donc ensuite j'ai fait un tirage de cartomancie avec toujours la même chose, donc mes trois jeux principaux, c'est-à-dire le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Béline. Donc j'ai commencé par le tarot de Marseille avec Marine Le Pen. Donc j'ai demandé est-ce qu'elle sera donc vainqueur de l'élection présidentielle. Alors j'ai tiré la roue, roue de fortune, le diable, l'empereur. La papesse en conclusion et l'ermite en synthèse. Alors, bah, la roue de la fortune, on voit que les choses tournent dans le sens. Laisse faire le libre cours les choses, en fait. Hein, voilà, on attend de voir un peu comment ça évolue. Si elle peut avoir des soutiens, des appuis. Mais en face, il y a le diable, hein, donc Macron. Je le vois comme ça, son adversaire. Tout ce qui est l'oligarchie, donc tout le système en fait qui est contre elle en gros, et tous les adversaires. Et ensuite on a l'empereur, donc là ça aurait pu donner, si vous voulez, un semblant de victoire, mais c'est pas la synthèse du jeu malheureusement, c'est-à-dire qu'elle devrait plus s'affirmer, montrer son autorité peut-être avec l'empereur, ce côté beaucoup plus cartésien, concret et pragmatique. Peut-être dans les débats. En conclusion, malheureusement, Papès, on voit qu'il y a c'est une attente, c'est plutôt d'être dans la sagesse, d'être un peu dans l'ombre. Et en seconde position, on voit la Papès, donc deuxième position à mon avis. Donc la synthèse, l'ermite, non, hein, elle cherche toujours sa voie, son chemin. Et donc l'ermite, c'est toujours l'ascète et donc la solitude face à comment dire, l'accession du poste, donc elle doit encore peut-être travailler là-dessus pour pouvoir y arriver. Alors ensuite, donc avec l'oracle de la triade, donc l'oracle de la triade, j'ai la nécessité, le nadir, la sagesse, l'amour et le voyage. Donc la nécessité pour elle d'être présidente, forcément le nadir en face, bah, il y a quelque chose de très sombre. Donc ça représente un peu l'ombre en face, donc quelqu'un qui pose problème, donc l'adversaire. Hein, voilà. En plus, voilà, il est assez sombre. La sagesse, donc bah, essayer de trouver la sagesse en elle pour s'améliorer, je dirais, pour trouver les failles. L'amour, bah, en conclusion, malgré le cœur qu'elle peut mettre à l'ouvrage, je dirais, il y a quand même des soutiens qui sont là, mais est-ce que ça indique la victoire? Une certaine mesure, on va dire, il peut y avoir de nombreux votes, mais la synthèse implique quand même le voyage. Un voyage, c'est un départ. Donc là, pour moi, pareil, ça confirme pas que elle sera élue présidente. Et enfin, donc j'ai fait un tirage avec l'oracle de Béline. Donc j'ai tiré les pénates, la renommée, le despotisme, la découverte et le hasard en synthèse. Donc les pénates, bon bah voilà, l'attend, je dirais, par rapport à son électorat, dans sa tour d'ivoire, enfin je sais pas comment trop voir les choses, mais voilà, on est une attente quand même. La renommée, bah, il y a quand même des soutiens, il y a quand même de la renommée, elle a quand même un certain prestige, de la reconnaissance. Malheureusement, bah, les despotismes, il y a beaucoup d'agressions vers elle, beaucoup d'acharnement vers elle. On voit bien, hein, tous les médias contre elle, l'extrême droite, enfin, voilà, les chiens de garde du système qui s'acharnent
contre elle. Donc le conseil serait aussi de peut-être aussi se défendre et d'être beaucoup plus pas agressive, mais ouais, beaucoup plus hargneuse, peut-être face à Macron d'ailleurs, s'il y a un débat à nouveau, qui soit un peu plus comment dire efficace que celui qu'elle a fait la dernière fois où c'était littéralement vautré. Et la découverte donc en conclusion, donc bon bah on va découvrir les résultats, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Alors il y a le hasard en synthèse qui pourrait dire que voilà, avec un couronnement qui n'est pas forcément négatif, ça aurait pu être positif. Alors moi ce qui me qui me fait chier, c'est que je vois le symbole de Jupiter, donc le jupitérien qui est couronné, donc Macron. Hein. Mais bon, après voilà, on parle de Marine Le Pen. Alors là, c'est vrai que par rapport à ce tirage-là, moi il est plus ambivalent. Celui-là, il a l'air d'être un peu plus positif que les deux autres, mais bon, ça reste pas non plus non plus très probant. Peut-être s'il n'y a pas de trucage ou de manipulation de vote, ça se trouve, elle est peut-être élue, hein, je sais pas. Après, ça, c'est des spéculations. Donc ensuite, bah, pour Emmanuel Macron, donc pareil, avec le tarot de Marseille, donc j'ai tiré donc, la tempérance. La tempérance, la route de la fortune en seconde position, en face, l'empereur, également, la force en conclusion et le pendu en synthèse. Alors c'est assez étonnant. Donc là, j'ai la tempérance, donc bah, il attend, lui, il a les médias avec lui, donc il peut tempérer, prendre son temps, se préparer comme il veut, éviter peut-être la confrontation, voilà, il attend son heure, en gros, hein. En plus avec la roue, ça confirme cela, il attend que les événements aillent dans son sens, grâce aux médias, entre autres. L'empereur, bon, bah, ça peut être représenté comme avec Marine Le Pen, le conseil d'être pragmatique et de s'imposer en tant que chef d'État, enfin en tant que quelqu'un d'assurance, qui est plein d'assurance et qui puisse argumenter avec beaucoup de raison et de pragmatisme. Et en conclusion, la force, alors il y a quand même une notion où il faut se battre, il faut maîtriser les choses, il ne faut pas non plus que tout tombe tout cuit, enfin, dans le sens que si y a la force en lui, en gros, il peut maîtriser le lion, quoi. Donc il peut maîtriser Marine Le Pen qui est lionne, hein. On peut le voir un peu comme ça, hein, dans la symbolique. Alors ce qui est par contre étonnant, c'est qu'en synthèse, on n'a pas un couronnement, voilà, absolu, un rayonnement, une victoire nette et sans bavure, avec une super joie, un soleil qui brille, par exemple. Mais on a le pendu. Donc là, il y a un blocage. Donc c'est assez ambivalent parce que du coup, il serait élu sous un comme une sorte de. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut se passer pendant ce second tour? Peut-être, je sais pas. Après, s'il n'est pas élu par le, par, enfin, s'il est battu par Le Pen, je serais assez étonné par rapport au tirage qu'on a vu et à l'astrologie. Mais ça peut donner peut-être éventuellement un tout petit espoir pour Le Pen, mais j'y crois pas trop. Avec cette carte en synthèse, mais c'est comme si bah, il attendait quelque chose en fait. Il savait peut-être qu'il serait réélu, hein, parce que si tout est manipulé, mais qu'il y a un blocage peut-être pour passer à autre chose, ou peut-être que il y a un truc qui va se passer, quoi. Déjà, moi, je vois dans l'astrologie, on voit, hein, ça plaît pas au peuple, hein, il risque d'y avoir des révoltes par la suite. De nombreux blocages peut-être, enfin je sais pas, beaucoup de Français on risque de pas supporter 5 ans de Macron de plus je pense, donc faut voir un peu, mais c'est vrai qu'avec cette carte-là c'est très ambivalent, il y a comme quelque chose qui bloque là par rapport à cette victoire. Ensuite, par rapport à l'oracle de la triade, alors là en revanche c'est un peu le contraire. Bon, alors l'initiation en première carte, on peut voir qu'il est initié, hein, il vient des loges, hein, avec l'œil. L'œil de la Providence, des francs-maçons, là, des francs-macs, entre autres. Il y a le nadir en face, donc l'adversaire, donc ça peut être Marine Le Pen qui lui fait de l'ombre. L'alpha, bah, il commence un nouveau mandat, peut-être, où il a, comment dire, une nette avance, hein, une élévation qui se fait, donc il est avantagé. Et bénédiction, bah, il est béni, hein, forcément, s'il est aidé par les médias, entre autres, déjà. Les puissances d'argent, etc.
Donc forcément, avec un jeu pareil, et la lumière en synthèse, donc là c'est le rayonnement, le couronnement, là c'est vraiment le succès garanti, donc là c'est net et sans bavure, je dirais. Et enfin, avec l'oracle de Béline, donc j'ai tiré la nouvelle. Donc bah, une bonne nouvelle forcément, ensuite les présents, un cadeau, donc il est avantagé, on voit. Alors par le ciel, je sais pas si c'est le ciel, c'est plutôt la main qui lui donne à manger, on voit, hein, ça peut être la main au-dessus qui le nourrit, hein. Le pouvoir, les élites. On voit encore une main après, le bonheur, qui lui donne encore du succès, de la gratification. Carte jupitérienne, en revanche, trahison en conclusion. Carte lunaire, donc peut-être une femme. Peut-être qu'il a pas, je sais pas moi, les effets escomptés. Alors c'est pareil, ça peut donner peut-être un espoir éventuel à ce qu'il gagne, à ce qu'il se fasse battre, peut-être. Ou alors qu'il se fasse doubler, ou que je sais pas, qu'il se passe un truc qui fait que. Mais bon, j'ai du mal à y croire, alors, surtout que la synthèse, c'est l'étoile de l'homme, c'est pas l'étoile de la femme, donc c'est bien un homme qui gagne. Là, c'est aussi très clair quand même. Alors la carte de la trahison, je sais pas trop ce que ça peut être. Ça peut être. Peut-être qu'il a trahi le peuple aussi, là lui, on représente le peuple, ou l'État est trahi. Par une partie de, je sais pas, de la classe politique, j'en sais rien. Donc après voilà, après, on sait pas tout en loge, qu'est-ce qui se passe en coulisses. Donc malheureusement, bah voilà, je vous apprends rien. Je pense que bah, c'est Macron qui va être élu, hein, forcément. D'ailleurs, j'avais fait un rêve aussi, je vous l'ai pas dit. Souvent, je fais des demandes pour avoir des réponses. Des fois, je les ai en rêve et j'avais demandé ce que vous pouvez m'envoyer un signe, savoir qui gagnera. J'avais vu Macron donc dans mon rêve. Voilà. Donc pour moi, je pense avec lui. À l'époque, j'avais fait pareil pour Biden et Trump. J'avais vu Biden gagner dans mon rêve. Donc bon. Après, je peux me tromper, hein, mais a priori, là, je vois pas. Même sans faire d'astrologie de cartes, on voit bien avec tous les soutiens qui sont contre Le Pen. Si même avec l'abstention, tout le monde, si même toute l'abstention se ligue contre Macron, je crois que ça serait trop juste. Donc je crois que c'est même pas la peine, en fait. Donc, c'est pratiquement mission impossible pour Le Pen, donc voilà. Ça va être 15 ans de Macron, donc accrochez-vous, hein, oui, 15 ans bien sûr. Comme j'ai dit, hein, il y a 10 ans officiels, mais il y a eu 5 ans quand même en tant que sous Hollande, là, ministre de l'économie, et puis secrétaire général de l'Élysée, je sais pas quoi, là. Donc voilà. Ça va faire très mal. Peut-être qu'il faut carrément passer par là pour vite être réglé de tout ça et qu'on en finisse au plus vite. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que vous serez pas trop déprimés comme moi, mais bon, on est tous plus ou moins forcément. On s'y attendait, de toute façon, on est dans un temps, des temps difficiles. Je pense que ça va quand même bien être rock'n'roll pendant ces 5 ans là même. Ça se trouve, il fera peut-être pas les 5 ans, on verra. On en reparlera. Donc, en tout cas, en astrologie, c'est sûr que ça ressort que ça risque d'être assez tendu pour lui, là, dès son nouveau mandat. Donc, voilà, à suivre. Je vous remercie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, si j'en fais une. Car je sais pas trop, en fait, là, je me tâte. Je verrai selon les événements. Et voilà. À bientôt. Au revoir.